à tous, c'est pas normal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur 60 Seconds. Et c'est probablement, enfin fort probablement, presque sûr, que c'est la dernière fois que je fais une vidéo sur ce jeu. Parce qu'aujourd'hui, on va gagner, bordel de merde. Bon, j'espère que j'aurai de la chance cette fois-ci, parce que là, c'est un peu chiant, tu vois ce que je veux dire. Ok, on peut y croire, bordel de merde. J'essaye de repérer un petit peu. Oh, ok, la radio ici, ça fait plaisir. Je prends la radio direct et la trousse de soins. Il y a ces deux choses-là qui sont en face de moi. Tu vois ce que je veux dire. Vite. Très rapidement, sa mère. Lampe torche. Oh, et franchement, j'ai pris des trucs qui pourraient être assez utiles là, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? La hache peut-être. Ici à quoi sa mère? Y'a quoi? Masque à gaz. Oh lolo, ça va, c'est pas mal. Je prends attends, je prends quoi ici? La carte. Le gosse, est-ce que je pourrais prendre la mallette aussi? Mais ta mère, tu saoules. Ouais, je dois prendre la mallette. Prends elle, possible ou pas? Ta mère, toi, t'es trop grosse, tu saoules, je te jure. Tu saoules de ouf. Prends la meuf. Prends peut-être de l'eau. Prends quoi d'autre? Au pire, si je prends pas la gosse, je te jure, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est comme des sortes de fardeaux. Carabine, ça va servir à quelque chose, ça ou pas? De l'eau, un dernier truc d'eau. J'ai pas pris de soupe. Ah, sa mère, ça va sonner. Est-ce que j'ai géré ou bien j'ai pas géré là? Ouais, j'ai pas pris Mary Jane, sa mère. Est-ce que j'ai assez de ressources? C'est ça le plus important, tu vois ce que je veux dire? Ok, j'ai un cadenas, on s'en bat un peu les steaks. Oh putain de merde, là c'est chaud. Mais c'est pas grave, tu vois, il y aura peut-être moyen de faire des expéditions même les premiers jours parce que tu vois, il y a quand même masque à gaz et j'ai la mallette. Et ça, c'est vraiment pas rien, tu vois. Donc, premier jour, je leur donne rien. Moi j'y crois. Je sais pas pour vous, mais moi je pense que c'est faisable. Ça va être chaud, mais c'est faisable. Il faut juste y croire, tu vois ce que je veux dire? Ok, donc là, j'ai absolument besoin de voir. Ils se plaignent de rien. Timmy se plaint de rien. Ted non plus. Dolores non plus. D'accord. En fait, ça va plus rapide, tu vois ce que je veux dire. Si ça te dit déshydratation là, tu vois, tu te dis bon, ok, on fait une expédition le prochain jour. Par contre, what? Oh non, ces araignées, t'es sérieux ou quoi toi? On ne veut plus d'araignées dans la soupe, non merci. Oh non, la trousse de soins, j'ai envie de la garder au cas où. Non, j'ai pas envie d'utiliser maintenant. Non, et en plus, dans le pire des cas, même si quelqu'un tombe malade là, on pourrait le soigner avec la trousse de soins, tu vois. Enfin, voilà, tu vois, on n'a pas été, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est cool. En fait, là, ils ont tous soif, mais c'est pas de la déshydratation, tu vois. Faut attendre que ce soit écrit déshydratation et là, tu leur donnes à boire, tu vois ce que je veux dire. Bon, Timmy, est-ce que je devrais l'envoyer Timmy. Je vais envoyer Timmy, tu vois ce que je veux dire. Je vais l'envoyer avec masque à gaz et avec... Ah non, je l'emmène avec une mallette. Voilà, la petite valise. Ouais, ou mallette, moi j'appelle ça, ouais. Masque à gaz, la hache et quoi d'autre. Pas la trousse de soin, non. Et franchement, c'est tout, hein. Et encore, la vérité, même la hache, je sais même pas s'il en aurait besoin, tu vois. Non, je sais pas. Non, de toute façon, la hache, même s'il y avait un truc, en fait, il pourrait pas se défendre. Donc autant tu l'envoies juste avec masque à gaz et ça, et j'espère que ça suffira, tu vois. Ok, il est parti. Maintenant, déshydratation. Ah, là, c'est chaud. Là, par contre, je dois leur donner à boire absolument. Sinon, ça va être vraiment, vraiment chaud. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi, tu bois. Par contre, non, je te donne pas à manger. Voilà. Ouh, ça ronfle. Ok, c'est cool. Ok, t'as faim, toi, connard? T'as pas faim? Non, ça va, rien. Ils se plaignent de rien. Apparemment, tout va bien dans le plus beau des mondes. Ok, c'est cool. On enchaîne. Jour 6. Je vais vraiment aller très, très vite. Je vais pas perdre mon temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jour 6. Est-ce que t'as soif? Est-ce que t'as faim? Non, aucun des deux. Ok, on peut enchaîner. D'accord, c'est cool. Par contre, là, what? Mais d'où vient ce flic-floc? Et pourquoi diable? Oh non, il y a une inondation là, ça craint de ouf. Alors, vous allez me dire, ouais, à chaque fois tu prends le même choix, mais je sais pas, je préfère sauver la radio parce qu'on sait jamais, tu vois ce que je veux dire. C'est plus probable que par exemple, on communique des choses à travers la radio plutôt que la carte. Parce que la carte, voilà, si personne vient te dire, hey, y a un truc qui va se passer, on doit se retrouver quelque part, bah comment tu vas savoir, frère? Du coup, bah non, je sauve la radio, puis le reste, bah ok, Timmy. Oh d'accord, Timmy, il est assez fatigué, il a faim et il est épuisé. D'accord. Et d'accord, là ils ont faim, soif. Ok. Je sais pas si je suis obligé de lui donner à bouffer, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. D'accord, avec quoi est-ce qu'il est revenu? Avec de la soupe, avec de l'eau, avec un petit... Oh, c'est stylé ça. Timmy a très faim. Je sais même pas si je suis censé lui donner à manger même comme ça, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est pas comme si... C'est pas famine, tu vois ce que je veux dire. On m'a dit famine, là il faut absolument donner à manger, tu vois. Tandis que là, je vois pas que c'est quelque chose de pressant, donc voilà. On entend une sonnerie. Non, la sonnerie c'est une très 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 mauvaise idée puisque en fait ils y vont sans le masque à gaz. Du coup, j'en vois personne, je m'en fous. En fait, ça c'est un piège. C'est un piège parce qu'au final ça sert à rien. Dès que tu parles à la personne, au final il se passe, enfin il se passe pas grand chose, donc au final ça sert à rien. Attends, du coup, épuisement et faim, déshydratation. Donc ok, les parents doivent absolument manger, tu vois ce que je veux dire. Ok, je leur donne à boire les deux. D'accord, tac, déshydratation et faim, épuisement. Ok. Et Timmy, je lui donne rien puisqu'il n'y a pas quelque chose d'alarmant de ouf, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ah, qui est-ce que je pourrais envoyer pour une autre expédition? On a besoin de ressources à votre avis? Franchement, ça va, les ressources, on se plaint pas. Non, la vérité, les ressources, ça peut aller pour l'instant, tu vois ce que je veux dire. Non, ça peut aller. Je préfère attendre.
attendre un petit peu. D'accord, donc en fait ils ont trouvé une valise au seuil de leur maison. Ouais, on va la prendre parce que je pense pas que ce soit quelque chose de très très méchant, vous voyez ce que je veux dire. Donc ok, ça va, je crois. Par contre là, oh là là, il a l'air de famine, faim. Ok, d'accord, par contre lui là il va mourir de ouf, tu vois ce que je veux dire. Il va mourir si je lui donne rien à bouffer ni autre. D'accord, donc apparemment il faut que absolument que je le soigne, que je lui donne à bouffer. Par contre, est-ce qu'il est déshydraté ou pas? Non, il a juste famine. Ok, ok, ok. Je crois que c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Non, 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 pas d'expédition pour l'instant, pas besoin. Jour 9, là ça va être le jour 10, tu vois ce que je veux dire. Jour 10, jour 10, jour 10. Ok, déjà là il va un tout petit peu mieux. Il est déshydraté, donc il doit boire. Fin, fin. Ok, les parents se tiennent plutôt bien, tu vois ce que je veux dire. Il y a juste le gosse qui me casse un peu les Clewiz. Donc je lui donne à boire et c'est tout. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je crois qu'on peut dire que on se débrouille plutôt bien. D'accord, d'accord, d'accord. Ça passe. Ça passe, frérot. Ce jeu n'a plus aucun secret pour moi. Enfin, je l'espère. Épuisement, faim, famine, soif. Ok, d'accord. Les parents, ils doivent absolument bouffer, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais leur donner à bouffer. Toi tu bouffes, toi tu bouffes. Et allez, ciao. Salut. Ok, masque à gaz. Oh, apparemment il y a eu des largages dans les alentours. Ok, vas-y. On va chercher, on va voir qu'est-ce que c'est. J'espère qu'il y aura rien de suspect ou autre. Ok, donc apparemment on s'en est. Oh non, le masque à gaz est déglingué. Ça, ça craint de fou. Non, pourquoi? Le masque à gaz s'est cassé de lors de l'expédition. Ça, ça craint de fou. Wesh, il y a une caisse de largage qui elle est tombée sur leur gueule. C'est pour ça. C'est n'importe quoi. Mais du coup, oh, ça va. C'est une plutôt bonne compensation. On a pas mal d'eau et pas mal de soupe. Ça, c'est cool. On est vraiment bon au niveau des provisions. Par contre, masque à gaz niqué, ça, c'est pas cool. Ok, donc faim, épuisement, déshydratation. Ok, déshydratation. Donc en fait, les parents doivent boire absolument. Et dites-moi, est-ce que vous trouvez que je gère plutôt bien pour l'instant ou je fais de la merde? Parce que il y en a qui m'ont beaucoup critiqué ou tu vois, un peu descendu jusqu'à maintenant. Mais là, vous allez moins faire les malins, les gens. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, là, si je me prends une faim comme ça, là, je vais pas aimer. Ok, attends, faim, épuisement, faim. D'accord, ok, là, personne ne se plaint apparemment, donc ça passe. Non, pas d'expédition, ça sert totalement à rien. La situation s'aggrave d'une minute à l'autre. Ils ont du mal à respirer. Oh putain, what the fuck? Bah, tu sais quoi? J'utilise le truc du scout parce que, tu sais, c'est pas un truc qui doit, genre, souvent nous servir dans des situations qui sont graves, tu vois. Donc, what the fuck? Mais arrêtez. Oh, tiens, il est malade ce con. T'es pas sérieux, frère. T'es pas sérieux. Attends, je peux le. J'ai même pas de trousse de soins, sa mère. Ça, ça craint de fou. Du coup, attends, il est malade et il a faim. Timmy, si tu lui donnes pas à boire, c'est la merde. Ok, d'accord. Donc, Timmy doit boire, mais là, Ted, je peux rien faire pour lui, tu vois ce que je veux dire? Absolument rien. C'est chaud, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, donc là, on nous donne l'occasion d'utiliser la radio, tu vois, pour essayer d'avoir un minimum de contact extérieur, si je puis dire. Ok, donc on a capté quelque chose apparemment. Elle me dit pas qu'il est retombé malade, ce con. Il est retombé malade. Attends, tu vas me dire que j'ai gaspillé ma trousse de soins pour rien, tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est pourri, ça. Ça, c'est vraiment pourri. Maladie, famine, épuisement. Je vais lui donner à bouffer, ce con, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, bouffe. Et apparemment, bah, j'ai que ça que je puisse faire. À part si je fais tout simplement une expédition pour essayer de voir si je peux récupérer une trousse de soins. Mais dans tous les cas, ça va être la merde parce que la seule personne que je pourrais envoyer qui pourrait revenir, c'est Dolores, tu vois. Mais le souci, c'est que Dolores, bah, elle risque de revenir tout simplement malade. La radioactivité n'a pas encore diminué, donc c'est chaud. Bref, bref, c'est pas très grave. Jour 16, j'espère. Ok, j'espère qu'au moins il va guérir tout seul, ce con, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ok, il y a les parents qui doivent absolument bouffer, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais leur donner à bouffer tranquille. Le gosse, je peux rien faire pour lui. Et ouais, donc on va essayer juste d'enchaîner. Jour 17, ok, toujours la même apparemment. Les parents, ils doivent absolument boire et c'est tout quoi, c'est absolument tout. On croyait qu'après l'explosion de la bombe. Ah non non non, le truc du téléphone, je m'en fous frère. Ah je m'en fous totalement, tu vois, ça sert à rien de d'envoyer quelqu'un répondre au téléphone de je sais pas quoi, tu vois. Enfin, non non, what? C'était quoi? Oh là là. Non, il me fait flipper quand il y a ça, tu vois. Ok, donc il y a Timmy qui veut boire et c'est tout. Ok, donc apparemment il y avait une sorte de bête qui les observait à partir de l'extérieur et j'ai le choix d'utiliser ou bien une lampe torche ou bien la carabine, enfin si je peux appeler ça, ouais, fusil ou bien le truc du poison. Bah c'est quoi, je préfère utiliser la carabine. C'est quoi? Non 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 non, on prend rien, on prend rien du tout. Parce qu'il se peut qu'on ait besoin de la carabine un autre jour. Donc pas besoin, tu vois ce que je veux dire. On va la garder, on va la garder pour une autre situation. Ok, donc il y a personne qui se plaint de quoi que ce soit. Ils ne veulent rien, tu vois ce que je veux dire. À part juste la paix, je pense. What? D'accord, donc ils ont trouvé une trappe juste en dessous d'eux. Et il y a quelque chose qui fait du bruit à l'intérieur. C'est quoi? Va utilise la hache parce que on sait jamais ce que tu peux trouver, tu vois ce que je veux dire. Donc prends la hache, j'espère juste qu'il va pas être. What? C'est quoi ce bruit, wesh? Ok. What? Un masque à gaz? Oh non, la grande classe. Ça, c'est cool, par contre. Ça, c'est vraiment cool. Ok, donc apparemment, personne ne se plaint de quoi que ce soit. Et c'est vraiment cool, le masque à gaz. Là, je suis surpris, mais ça fait grave plaisir. Attends, juste les ressources. Les ressources, ça passe, tu vois. Je suis en train plus ou moins de gérer. Le temps passe, tandis que. Oh, ok, il faut la radio, apparemment. Faut utiliser la radio. Et on aura peut-être un communiqué. C'est pas sûr, on verra. We're gonna see. Ok, les choses se passent plutôt bien, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc les parents doivent absolument boire. Et lui, il doit bouffer, ce con. Vas-y, donc toi, tiens.
tiens ta bouffe. Et toi, tiens ta... Ouais, ton eau. Ouais, tiens ta eau, ça se dit pas. Non, pas d'expédition, on s'en fout. Apparemment, ils auraient besoin d'un guide pour savoir où est-ce qu'ils voudraient aller. D'accord. Bah écoute, prends. Si... Frère, où est-ce que tu vas aller de toute façon avec ces niveaux de radiation dehors? C'est pas une bonne idée, tu vois ce que je veux dire, mais si tu veux. Ok. Timmy doit absolument boire. Et c'est tout, en vérité. C'est juste tout. On a trouvé une carte, t'es sérieux? Ça, c'est la classe. Ok, il doit boire, ces connards. Et expédition, non, pas... Quoique, ou... Non, je préfère pas. Par contre, c'est quoi ces histoires là? D'accord, donc il y avait un inconnu qui passait avec une brouette et il nous proposait de faire des échanges. Il nous propose de l'eau contre du poison, de l'eau contre le truc du scout et de l'eau contre... Mais frère, on n'a pas besoin. Juste pour vérifier vite fait, j'ai assez d'eau, j'ai pas besoin de ton truc, frère. Non. C'est des éléments clés, si ça se trouve, on aura besoin de la lampe torche, on aura besoin d'autres trucs, tu vois, donc non. Par contre, what the fuck, frérot, là. Eh, on dirait pas un zombie, la vérité. Y'a que elle qui a l'air de bien aller, tu vois. Ah, par contre, elle a faim de fou. Elle va mourir, en fait, tu vois. Elle va mourir si je lui donne pas à bouffer, tu vois ce que je veux dire. Donc, toi, tiens. Et lui, je suis désolé pour lui, la vérité, mais j'espère juste qu'il va pas mourir, tu vois ce que je veux dire. Le pire dans tout ça, c'est qu'il se peut que Timmy fugue parce qu'on lui a pas donné tout simplement des trucs pour qu'il se soigne. Et ça, c'est vraiment chiant. D'accord, donc apparemment, ils se font un petit peu chier, du coup, ils proposent de mettre la radio. On a mis la radio, tu vois ce que je veux dire. Ah, par contre, là, il commence vraiment à être assez fatigué, là. Ok, mais apparemment, il s'est plaint de pas grand chose, donc ça peut. Ça peut aller, je pense, tu vois. Par contre, non, pour les ressources, ça va. Non. Pour les ressources, ça va. Oh, super. Pour une fois qu'on a la carte et qu'on en a besoin, tu vois ce que je veux dire. Apparemment, l'armée, elle aurait laissé un. Enfin, elle aurait transmis un communiqué à travers la radio et on avait besoin de la carte. Ça, c'est une bonne nouvelle, je pense, tu vois. Et en plus, il parlait d'évacuation. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle. Espèce de fils de chien, t'es sérieux, toi? Putain, non. Comment est-ce qu'il a pu crever? C'est la faim qui l'a vaincu. What, il avait faim, mais c'était pas écrit famine. Non. C'est quoi ces conneries? Je te jure que c'était pas écrit famine. Peut-être que c'est le fait qu'il y avait la maladie et la faim à la fois, mais je peux vous jurer qu'il y avait pas écrit famine. Là, j'ai le seum de fou. Du coup, on a perdu Ted. Ça, c'est super cool. D'accord, donc je dois donner à boire à Dolores. Par contre, là, je suis dégoûté pour le mari. C'est quoi ces histoires, wesh? Peut-être que j'ai zappé ou un truc, mais je crois pas, tu vois. C'est-à-dire, je pense que j'ai été assez attentif à ce qui se passait et ça m'a juste échappé en fait. What? Un petit pas que t'es. Ouais, j'espérais juste qu'elle soit pas tombée malade. D'accord, donc Timmy doit absolument, apparemment. Attends, boire, je crois. Déshydratation et faim. Toi, t'as juste faim. D'accord, tiens, connard. Par contre, là, c'est chaud, je vous cache pas. Hein. C'est assez chaud. Oh putain. C'est grave chaud. D'accord, donc Timmy, si je lui donne pas à bouffer, il va mourir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vas-y, donne à ce bâtard quelque chose à bouffer. Et Dring, dring. On croyait qu'on allait jamais plus entendre le téléphone sonner. Mais non, cet appel téléphonique, toujours le même. Oh putain. À quoi ça sert, sérieusement? C'est quoi? Est-ce qu'on devrait vraiment envoyer quelqu'un? Je sais pas, non, ça sert à rien. J'ai pas envie d'envoyer qui que ce soit, tu vois, j'ai pas... Oh putain, à chaque fois que j'entends quelque chose, je flippe. Oh, ok, il a pété un câble. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Folie, et toi, t'as quoi? Faim, soif, fatigue. Ok, c'est cool. Non, c'est vraiment cool. D'accord, on a besoin du truc du scout apparemment. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Jour 29. Là, je stresse un peu, je vous cache pas. Ok, donc Dolores, elle doit à la fois boire et manger. Toi, tu veux quoi? Ok, donc il veut rien du tout, tu vois ce que je veux dire. Non, toi, bois et mange, espèce de connasse, va. Et pas d'expédition. Non. Merde, j'espère vraiment, vraiment que je vais arriver. Sinon, je vais avoir le seum, je vous cache pas. Je vais vraiment avoir le seum. Timmy voudrait de l'eau maintenant, mais apparemment ici c'est pas écrit, tu vois. Déshydratation ici, tu vois. Du coup, c'est trompeur. En fait, si ça se trouve, c'est ça qui m'a trompé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'était écrit maintenant, mais c'était pas écrit famine, tu vois ce que je veux dire. Oh putain, donc en fait, il faut vraiment lire ici, tu vois. Faut vraiment lire là. Ça c'est chaud, tu vois ce que je veux dire ou pas. Juste donner à boire à Timmy et puis c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Non, pas d'expédition, non merci. What? Oh merde, t'es sérieux? Il a été blessé, Timmy, quand il était parti en expédition. Et apparemment, je devrais le soigner. Tu sais quoi? Vas-y, tiens. Si ça lui donne l'occasion de se soigner vraiment, ça serait cool, tu vois. Sinon. Ok, apparemment il est... Non, il ne va pas mieux du tout. Et en plus la hache, elle a disparu. Tu te fous de ma gueule ou quoi? D'accord, donc Timmy va beaucoup mieux apparemment. Bah écoute, les deux en fait ils veulent rien du tout. Ils veulent juste la paix. Et voilà quoi. Ah, et des cafards chelous dans la poubelle. Ok, ok, il faut utiliser apparemment le guide du scout. Qui pourrait peut-être nous aider, je l'espère. Ok, what? D'accord. Les deux apparemment ils ont pas besoin de... Je demande rien, du coup je leur ai rien donné. Il y a une femme dangereuse armée jusqu'au dans l'extérieur. What? Heureusement elle n'a plus de munitions. Ah, elle veut qu'on donne des munitions mais on en a pas. Je suis désolé madame, on n'a pas de munitions, du coup tu vas dégager. Tu vas nous laisser tranquille. Jour 33. Ok, à chaque fois je stresse et je me dis imagine il y a quelqu'un qui va manquer encore. Non. D'accord, donc Dolores doit absolument boire. Et c'est tout quoi. Par contre là l'eau il nous en reste pas énormément, tu vois ce que je veux dire. Un commis voyageur est venu aujourd'hui, il s'est présenté comme Willy Ben. Les affaires vont bien même après la fin du monde. Ok d'accord, donc apparemment je pourrais échanger de l'eau contre une carabine. Pensez que ça vaut la peine ou pas? Puisque je vous avouerai que s'il nous faudrait un truc, ça serait de l'eau. Je vous cache pas, tu vois. Et je sais pas, est-ce qu'on aura forcément cette occasion? Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Je sais que j'ai pas envie de donner le masque à gaz absolument. Parce qu'il se peut, j'ai bien dit, il se peut que je refasse une expédition. Mais le problème, c'est que la carabine, tu vois, il se peut qu'on soit attaqué. Du coup, ah, je sais pas, tu vois. C'est quoi, vas-y, donne la carabine. Même si c'est un petit peu chaud comme choix, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, je trouve que.
What? Oh putain, le fils de chien il s'est barré. Le fils de chien il s'est barré. Et par contre j'ai 4 trucs d'eau. Wow, j'ai tout ça pour moi, wesh. Ok, par contre là qu'est-ce qu'elle voudrait la meuf? Ça c'est très important. D'accord, donc apparemment elle veut pas grand chose. C'est ce que je crois, tu vois ce que je veux dire. Ok, non. Donc apparemment elle veut rien. Elle veut rien, enfin je, du coup ouais. Wesh, comment est-ce que tu peux faire une expédition alors qu'il y a personne? C'est pas possible. C'est pas possible. On va surveiller les mouches. D'accord, donc apparemment l'armée aurait demandé de se débarrasser des armes. Et ça fait un peu douter. Bah de toute façon j'ai pas de carabine, donc ça tombe bien, tu vois ce que je veux dire. J'espère que ça va encore durer, bordel. Oh putain, elle a pété un câble. Elle a pété un câble, Dolores, ça, ça craint de fou. Oh, ok. Donc là, apparemment, je dois absolument lui donner quelque chose à manger. Tu vois, donc tiens, bouffe ça. Bouffe ta mère, bouffe. J'espère que ça va encore durer, je l'espère. Jour 36. Ok. Dolores rêve d'un bon repas, bref. Donc apparemment, là, non, elle demande rien de spécial. Je vais rien lui donner tant qu'elle demande pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire. Jour 37, what? Ça s'empire. Oh là là, déshydratation, folie. Oh putain, non là, elle a tout ce qu'il faut en fait. Elle a tout ce qu'il faut pour nous inquiéter de ouf en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quoi? Bah je l'ai juste donné à boire. Et là je dois juste espérer tout simplement que tout va bien aller quoi. Putain, dis-moi que ça va encore durer s'il te plaît. Jour 38. Ok putain de merde. Bon là apparemment elle a besoin de rien, tu vois ce que je veux dire, je crois. Ouais ça va, Dolores s'est reposée. D'accord, c'est cool, pas d'expédition, ouais, j'étais fou quoi toi. Par contre je crois que j'ai battu le record la dernière fois. Puisque la dernière fois c'était 36 jours. Là ça fait 39 jours et c'est vraiment pas trop mal, tu vois ce que je veux dire, c'est pas trop mal. Ok, ça passe. Elle a besoin de rien, pas d'expédition. Il y a quelqu'un qui a frappé, est-ce qu'on ouvre ou pas? Franchement je sais pas trop, je vous cache pas. Ça peut être l'armée, même si je sais pas trop. Est-ce qu'on ouvre ou pas? C'est quoi? J'ouvre parce que je sais pas. Jour 40. What? C'était qui alors? C'était qui, wesh? What? Le visiteur, c'était un gars sapin bien... Non, t'es pas sérieux? Il nous a donné quelques boîtes de soupe, non. Et mais là, par contre, là, j'ai eu du bol. Mais bon, j'ai pas envie de parler trop vite parce que, bref. Ok, là, faim, soif, fatigue, folie. Tu vois ce que je veux dire? Bon, elle a apparemment pas besoin tout de suite de bouffer. Du coup, apparemment, ça va. Jour 41, oui ou non? Jour 41. On est là. D'accord, donc là, elle a besoin de boire et de manger absolument. Sinon, c'est la merde. Vas-y, tiens. Voilà, tiens, les deux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jour 42. On est là. Tiens, je commence à... Tu vois ce que je veux dire? Je commence à me dire que j'ai peut-être un peu plus de chance que la dernière fois. On nous dit qu'on pourrait aller chercher des provisions à proximité parce qu'il y aurait une enseignante qui aurait sauvé ou récupéré des gosses. Non, ouais, c'est trop risqué. Je sais pas, tu vois. J'ai comme l'impression que. Non. Non, non. Pas besoin. Jour 43. Wesh, c'est moi ou l'aide? Elle a été soignée sa... Oh, elle a été soignée sa folie. Elle a été soignée de sa folie apparemment. Donc ok, Dolores va mieux et elle veut ni boire ni manger, tu vois ce que je veux dire. Donc tout a l'air de plutôt bien aller avec la carcasse de son mari juste à côté d'elle. Mais c'est pas grave. 44, jour 44. Wesh, t'es sérieuse? Mais tu te fous de ma gueule. Non, il m'a trollé le jeu, tu vois ce que je veux dire. Comment est-ce que un jour tu peux bien aller et l'autre jour tu peux... Pff, non, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Donc apparemment, elle demandait rien à boire ni à manger. Jour 45. Ok, ça passe, elle est encore là. Déshydratation par contre, là, elle doit absolument boire. Ok, tiens. Jour 46. What? 46 jours, on est là ou pas? Ok, donc apparemment, elle ne veut rien. Elle a besoin de rien, tu vois ce que je veux dire. On a trouvé une petite valise sur le seuil, est-ce qu'on la ramasse? Le souci, c'est que... On a déjà assez de ressources, tu vois ce que je veux dire. C'est pas les ressources qui manquent, tu vois, donc j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit. Non, je vais pas ramasser, non. Franchement, j'ai évité tout contact vraiment vers l'extérieur, tu vois. Donc, jour 47, ok, elle est là. Là, c'est la famine, elle a absolument besoin de bouffer, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, tiens, et jour 48, s'il te plaît, jour 48, on est là, bordel. Là, apparemment, elle a besoin de rien, tu vois ce que je veux dire. Donc on va rien faire. Ok, donc apparemment aujourd'hui on a été visité par une jeune femme qui proposait de faire tout simplement des échanges. Sauf que madame, je m'en tape de tes échanges puisque en fait j'ai tout ce qu'il me faut, tu vois ce que je veux dire. Donc non, pas forcément. Non, ça... Là c'est quoi, c'est jour 49. Ok, on est encore là. En fait, tant qu'elle tombe pas malade, moi je vais pas paniquer, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va. Donc là, elle doit juste absolument boire. On te donne à boire et tu me laisses tranquille, s'il te plaît. What, on a trouvé des champignons sur un des murs de notre truc. Est-ce qu'on devrait les manger? Mais t'es fou quoi, toi, wesh. Mais c'est quoi leur proposition là? Mais c'est des malades. Tu as bouffé des champignons radioactifs. C'est la meilleure manière de mourir en fait, tu vois. Donc apparemment, on a besoin de rien, tu vois ce que je veux dire. Donc on enchaîne. Il y a beaucoup de bruit apparemment. On sait pas trop d'où ça vient, des tuyaux, de je sais pas quoi. Du coup, bah, est-ce qu'on s'assoit et on se détend? Bah, apparemment, on aurait pu jouer ou bien aux dames. Ou bien un jeu de cartes, mais on a ni l'un ni l'autre. Mais de toute façon, comme elle est toute seule, je sais pas avec quoi elle aurait pu jouer, tu vois. Jour 51, est-ce que ça va le faire ou pas, bordel? Est-ce que ça va le faire ou pas? Non, espèce de conne, elle a pété la radio, cette conne, puisqu'elle a pété un câble en fait. Non, mais c'est pas vrai, wesh, espèce de conne. Non, là, ça c'est vraiment con. Toi, t'es une connasse, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'auras rien à bouffer ni à boire. Bon, c'est surtout parce qu'elle en a pas besoin, sinon j'aurais pas fait le fou comme ça, tu vois. Est-ce que tu devrais faire une expédition? Franchement, je sais pas trop. Je préfère rester. Bon.
J'espère vraiment survivre plus longtemps que ça. Et surtout qu'il va se passer quelque chose, parce que là, concrètement, il se passe pas grand chose depuis plusieurs jours. Juste là, à essayer de faire en sorte qu'elle survive, et c'est tout, tu vois. Bon, heureusement qu'il y a que elle et pas d'autres personnes, mais sinon, ouais. Encore quelqu'un qui veut faire des échanges, mais je peux pas, frérot, j'ai rien de ce que tu demandes, tu vois, ça c'est con. C'est con quand on te demande de faire des échanges et que t'as rien en fait. Y a pas d'échange possible. Donc là, elle doit absolument, apparemment, manger. Et ouais, bah écoutez, jour 55, est-ce qu'on aura la chance de survivre jusqu'au... Ouais, jour 55, écoute, on est là. Mais là, j'aimerais bien voir juste ce qui se passe à l'extérieur par hasard, tu vois. Mais le souci, c'est que, en fait, comme elle est pas en forme, j'ai peur qu'elle revienne pas du tout, tu vois. Mais ouais, c'est l'armée, vous êtes où? Vous faites vraiment chier, je vous jure. Jour 56. Combien de temps est-ce qu'elle va durer? Ouais, 56 jours. C'est quoi, c'est n'importe quoi? Elle a besoin de rien apparemment. On peut envoyer Dolores à l'expédition? T'es sérieux ou quoi? Imaginez, j'ai bien dit, imaginez, on sort et l'armée en fait elle nous trouve. Ça se veut dire, parce que c'est possible, c'est peut-être possible. Donc, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'on va rester ici à rien foutre, tu vois. Donc, vous savez quoi? Je vais prendre ce gros risque, tu vois ce que je veux dire, ce gros risque. Et je vais l'envoyer tout simplement en expédition. Non, je vais l'envoyer en expédition, mais je vais choisir tout simplement qu'elle emmène un masque à gaz et tout ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire. Apparemment, elle a absolument besoin de boire. Bah écoute, bois et je l'envoie en expédition. Même si, tu sais, j'ai pas envie de prendre de risque, je te promets, tu vois. Donc là, on va faire une assez grosse erreur, j'ai l'impression, tu vois ce que je veux dire. Une assez grosse erreur, mais je préfère le faire. Attends, masque à gaz, c'est quoi? Attends, le souci, c'est qu'on a pas de carabine, tu vois. Donc, ah oui, peut-être le plan. Oui, je l'emmène avec ça et le plan, tu vois. Ouais, je l'emmène avec ça. Attends, j'espère qu'il y aura une bonne nouvelle. J'espère. Jour 64, what the fuck? C'est quoi ce délire, wesh? C'est quoi ce délire? On était très contents de voir Dolores, enfin elle était contente de se revoir elle-même, hein. Donc elle est revenue avec la valise, la carte, elle a juste un cadenas en moins, si je me rappelle pas avoir ramené le cadenas. D'accord, donc deux trucs de soupe, deux trucs d'eau, une carabine, un truc de poison. Par contre, il y a le masque à gaz en moins et ça c'est un peu con, tu vois ce que je veux dire. Elle est vraiment épuisée de ouf, je dois lui donner absolument quelque chose à bouffer tout simplement. Putain, en fait, elle a servi à rien en fait, à part juste l'épuiser de malade, tu vois. Donc putain, je suis un peu déçu, je vous cache pas que je suis un peu déçu. À part aussi faire passer des jours, mais je sais pas est-ce que ça a aidé à quoi que ce soit. J'espère juste qu'elle va s'en remettre parce que là, elle a l'air de vraiment très mal aller. Donc là, apparemment, elle a besoin de rien, tu vois. Ok, bah écoute, on enchaîne. Des médicaments supplémentaires avec un truc de poison, un produit d'insecticide. Bah écoute, si tu veux, même si je crois pas que ce soit une bonne idée, bordel de merde. What? Attends, t'es sérieux là? Ça nous a fait une trousse de... What? Ça nous a fait une trousse de soins, écoute. Bah, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Comme ça, même si elle tombe malade, je pourrais la soigner, tu vois. D'accord, donc elle est épuisée, elle a soif, mais apparemment, elle a pas vraiment besoin de bouffer. D'accord. Ah ouais, des survivants qui ont toqué, ils ont besoin de trucs. Bah, tu sais quoi, je vais leur donner juste un peu de soupe. Voilà, c'est pas catastrophique, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on a assez de... Hein. Ok, apparemment, elle est guérie de sa folie et c'est assez reposé. Par contre, elle a besoin de boire. Vas-y, là, je te donne à boire. Par contre, là, c'est assez chaud ce que je fais. Je donne à peine le strict minimum. Donc, en fait, si un jour je zappe de lui donner un truc, elle meurt direct. Ah d'accord, il y a des gens et des gens qui disent que on devrait les appeler joyeux compagnons et ces gars-là ils détroussent les riches au profit des pauvres. Oh bien sûr, on devrait les laisser entrer. Ouais, pas te faire foutre, t'es sûr ou quoi toi? Jamais de la vie, wesh, ils vont nous prendre tout ce qu'on a, wesh. Jamais de la vie. D'accord, donc ok, elle a encore pété un câble. Wesh, arrête de me prendre pour un con, espèce de folle. Un jour elle va bien, un jour elle va mal. De toute façon là, elle a besoin de rien, tu vois ce que je veux dire. D'accord, donc apparemment il y a un gars qui a toqué et ça serait un mutant, tu vois. Ça serait un mutant, il avait deux mains en plus, enfin peut-être deux bras en plus. Le truc c'est que si je lui donne quelque chose, le gars en fait il va nous assurer que l'expédition, la prochaine expédition se passe nickel. Donc c'est toujours quelque chose à faire, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas. Jour 69, ok. Ok, donc là elle a, oh non, elle a besoin de rien apparemment. Elle a juste faim, mais ça veut pas dire qu'on doit lui donner à bouffer. Du coup ouais, je crois qu'on pourrait enchaîner. Est-ce qu'on fait une expédition ou pas? Est-ce qu'on l'a fait? C'est pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est la meilleure manière de... Dolores ne peut pas sortir d'ici, ce serait une condamnation. Ah ouais d'accord, ok, non, apparemment ça serait une très très mauvaise idée. Pas avant qu'elle s'en remette ou avant qu'on ait un masque à gaz ou quelque chose, tu vois, sinon ça serait chaud. D'accord, elle a juste faim, soif, folie. D'accord, écoute, intéressant. Elle a besoin de rien apparemment. D'accord, donc apparemment il y a des brigands qui nous font chier dehors. C'est quoi, vas-y, prends le fusil. Et on va péter un câble, je m'en bats les steaks frérot. Tire! Bim, bim, bim! I'm saying, bitch! Bon, apparemment, ça servait à rien puisqu'ils ont réussi à nous chasser en fait. C'est quoi ce délire, wesh? Mais bref, c'est pas grave. Là, elle a absolument besoin de boire. Donc, je vais lui donner à boire cette folle. Par contre, ah merde, j'ai donné pas mal de soupe, mais j'ai pas fait attention. En fait, on a beaucoup d'eau, mais on a pas trop de soupe. Bref, c'est pas très grave. Jour 72! D'accord, donc elle se plaint de rien. Par contre, c'est quoi ce jeu de fou, wesh? Il faut survivre combien de jours pour qu'on soit sauvé? Oh, bordel, il y a encore des cafards dans la poubelle, sa mère. Et j'ai utilisé le livre de Scoot, je sais pas quoi, pour s'en débarrasser. Est-ce que ça a aidé à quoi que ce soit? Ça va, ça va. D'accord, donc apparemment, Dolores
le reste, il faut absolument que je lui donne à bouffer. Donc, tiens. Bon, je vous cache pas, c'est assez chiant, tu vois ce que je veux dire. On peut ni faire expédition ni rien. C'est quoi ce son? Un cheval au galop. On s'est précipité vers la porte et on a vu deux hommes en défroqués médiévaux. D'accord, donc apparemment, on pourrait les laisser jeter un coup d'œil au plan si on en a un. Ils seraient très reconnaissants, apparemment. Ouais, très reconnaissants, mais est-ce que ça veut dire que tu vas revenir m'aider ou pas, connard? Non, 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 je sais pas, je sais pas. En plus, notre plan, peut-être qu'on en a besoin, du coup, je sais pas trop, tu vois. Non, non, je sais pas trop, je sais pas trop. Ça m'inspire pas confiance. D'accord, donc là, elle va très très mal, mais apparemment, elle a besoin de rien, tu vois ce que je veux dire. Jour 75, jour 75, jour 75. Ça va, on est là. Est-ce que tu te sens un peu mieux ou pas, bordel? Bon, il y a plus l'état d'épuisement, tu vois ce que je veux dire, mais elle est déshydratée, donc on va lui donner tout simplement à boire. Tiens, espèce de hamarava. D'accord, donc là, en fait, je pourrais faire une expédition. C'est quoi, vas-y, fais une expédition. Fais une expédition, bordel. Enfin, le jour d'après. Waouh, on pourrait réparer le masque à gaz apparemment avec le truc du scout. Oh non, ça c'est de la balle. Ça c'est vraiment de la balle, je vous cache pas. Ça c'est de la balle de ouf. What? Par contre, je vois pas le masque à gaz, wesh. Le masque est tombé en morceaux, maintenant il est bon à rien. Ah, t'es sérieux, espèce de connard, va. Donc en fait, c'est aujourd'hui qu'on va l'envoyer tout simplement en expédition. Et on va juste croiser les doigts pour que tout se passe bien. On n'a pas de masque à gaz, mais faut bien qu'on fasse quelque chose, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi? Je vais mettre la mallette, enfin la valise, et je vais emmener. C'est quoi? J'emmène la map. J'emmène. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'emmène d'autre? Lampe torche. Non, 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 non. Lampe torche, c'est super important. C'est quoi? Juste ça et la map. Et j'espère que le mec, en fait, il a dit qu'il pourrait nous aider pour l'expédition. Du coup, j'espère que... Fin! Mais non! Mais non! What the fuck? C'est quoi cette histoire? Une grande affiche sur la porte de notre bunker déclare que notre abri est la propriété de l'État. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement nous a baisé la gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. J'ai résisté 80... Non, 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 non! Non! On vous a chassé! Mais ta mère, wesh, ta mère. Non, là, je suis vraiment énervé, je vous promets que je suis... Putain, mais j'ai le seum, wesh. Bon, en tout cas, les amis, vous savez quoi? En fait, j'ai l'impression que j'ai plutôt bien pigé les bases de ce jeu et que je suis capable de survivre plusieurs jours, en fait. C'est juste que, apparemment, j'ai vraiment pas de bol. C'est peut-être aussi le fait que j'ai fait de mauvais choix, surtout le dernier, de faire cette expédition. J'aurais peut-être pas dû le faire. Mais en fait, c'était pas question de masque à gaz ou quoi, c'est juste que l'État nous a déglingué, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'inattendu. Mais bref, en tout cas, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, vous laissez un petit lire, surtout pour mes efforts, s'il vous plaît. Pourquoi pas un petit commentaire en partage. Et si vous voulez que je fasse une toute dernière de chez dernière, je ferai peut-être. En tout cas, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine vidéo. Peace!